Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul action. Oh, attendez parce que c'est dans mon sac de travail et du coup dans mon sac de travail il y a beaucoup de choses. Voilà, voilà, normalement c'est bon, ça c'est pas du action. Est-ce que j'ai tickets? Je suis en pitch. Bon, qu'est-ce que j'ai acheté? Vous allez pas recommencer? Si vous recommencez, je m'énerve. Mon Dieu, le feu. Oh, je que je le fais. Oh, je que je le fais. C'est tout. Mais je me disais bien qu'il y avait encore des trucs. Regardez par ici. Ah. On avait oublié des choses. On avait oublié plein de choses. Petit plein. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, promotion de la semaine. J'ai pris des brosses à dents Oral-B. C'est pas des softs, c'est des médiums. Parce que ma plaque dentaire s'en va beaucoup mieux avec les médiums, surtout dans le fond. La dernière fois, j'avais l'impression d'avoir une double dent. Et depuis que j'utilise ça, ça m'arrive beaucoup moins. Elles étaient à 1,59€ les trois. Elles sont en promo. Je crois que je vais en reprendre pour me faire un petit stock. C'est pas perdu. Moi, ça va dans mon stock de soins qui s'amenuisent au fur et à mesure parce que depuis qu'on a déménagé, enfin, je fais tellement d'autres choses. J'ai tellement d'autres choses à penser que je ne pense pas à renouveler le stock. Et puis, on n'a pas non plus la maison adéquate pour le stock. Ça ira beaucoup mieux quand on aura une maison à nous avec un endroit de stockage pour nous. Enfin, bref. Quand ce sera là. Mais là, du coup, les trois pour 1,59€, ça valait le coup. Pour vous situer, parce que je sais que beaucoup de gens me disent « Oui, mais t'es en avance ou en retard sur Théo. » La dernière fois, je parlais de Pâques. On me dit « Oui, mais non, on n'est pas à Pâques. » Je sais qu'on n'est plus à Pâques. Le 8, 9, 10. On est la semaine... Morgane, on est quel jour, s'il te plaît? Oui. Pour m'en sortir une pareille, regarde 12. La date, s'il te plaît. Nous sommes le 12, voilà. Et j'ai fait mes achats hier. Voilà, donc ceci, c'est fait. Ensuite, c'est pas celui-là. C'est un autre. C'est pas grave. J'ai pris ceci, c'est une mini balance. Pour les mini-foies. T'as acheté les trucs pour les fourmis? Oui, il est dans la voiture. J'ai oublié de le sortir. Il est dans la voiture. Même. Ouais. Il a pris ou pas? Non. Je vais le chercher parce que là, les mini, j'en ai. Elles sont encore là. On est envahis par des mini. Mais quand je dis des mini. Vas-y, s'il te plaît. Il y a des mini fourmis. Mais oui, et si elle n'est pas dans la voiture, elle est dans la maison. Mais où? Je pense pas que je l'ai sorti. C'est une boîte verte. Oui, donc ça aussi, j'ai acheté pour anti-fourmis. J'ai acheté une boîte. En fait, les fourmis, elles rentrent dedans. Et en ressortant, elles vont transporter le poison pour aller empoisonner. C'est peut-être pas bien, mais moi, en attendant, elles bouffent mes fruits et légumes. Hein. Les petites 1. Hein. Donc voilà, une mini balance comme ça. Alors, j'étais tentée d'en acheter une sur Temu, AliExpress et tout ça. Parce que j'en voyais pas sortir chez Action. Et du coup, là, ils en ont sorti une. Donc du coup, je l'ai pris. Pourquoi? Pour sur la porte, normalement. Et ben sur le meuble de l'entrée, là, ouais. Normalement, c'est là. Et ben, je l'ai pas. Regarde si papa a pris. Ben non, papa a pris le jumpy. Oui, il y en avait un là. Mais... Ah, ben, tu vois, t'as trouvé. J'essaie d'ouvrir les fils. Notamment, déjà, pour peser le reste de laine. Parce que dans les patrons que j'utilise, on parle de poids de laine et non pas de métrage. Beaucoup de poids et pas de métrage. Ce sera l'occasion de mesurer ça. Et puis pour les petites choses dont je pourrais peut-être avoir besoin à mesurer. Elle va jusque combien de poids? Ils disent alors English, French. Alors c'est de l'acier inoxydable, du plastique et un écran LCD. On choisit entre le gramme, le tola, l'once, le carat, le grain et la pièce. Elle pèse de manière précise de 0,01 g à 200 g. Donc voilà, ça va jusque 200 g. Je n'ai pas besoin de plus. Là, ici, on est à 30 g. Le couvercle pèse 30 g.
Alors, tar. Voilà. Vous avez la fonction tar qui est ici. Tar remet à zéro, même si vous avez mis quelque chose dessus. Light, c'est la lumière. Et après, vous avez les unités qui changent ici en bas. Vous voyez? Voilà. Moi, ce sera en grammes. Et après, on a des pièces. Il faut que je regarde un peu la notice. Ah, allez, vas-y. Voilà. On off. Alors, pièce, pour voir un petit peu ce que ça fait. Français, c'est le troisième. Tac, c'est ici. Fonction et comptage. Oui, Morgane. Merci. Deux secondes. Nombre de pièces qui disent. Ils sont en train de faire un bordel en haut. Appuyez sur le bouton pièce pendant 2 secondes. L'écran affiche le nombre 25. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton unit jusqu'à ce que le nombre affiché à l'écran corresponde au nombre d'éléments sur le plateau de pesée. Appuyez sur le bouton pièce pour confirmer le nombre. Les lettres PCS s'affichent dans un coin de l'écran. Retirez la quantité de test du plateau de pesée. Placez un certain nombre d'éléments sur le plateau de pesée. Le nombre d'éléments calculés comptés s'affiche à l'écran. Vous pouvez basculer entre le nombre et le poids des éléments. Ah, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Ouais, bah moi, ça ne me sera pas d'une grande utilité. Voilà, cette fonction. Ça sera utile pour moi, peser mes restes de laine. Ou alors, si un jour j'ai de l'or pour peser mes petites pépites d'or. Vous avez vu Non, Morgane. Je viens de dire que ça va jusque 200 grammes. Un lingot, est-ce que ça a fait 200 grammes? C'est lourd, non? Mais oui, qu'un lingot, c'est lourd. Imagine-toi, les gens, je suis pas malade avec ça. N'importe quoi. Il est vraiment temps que tu diversifies ta culture générale, ma fille. Mangatériser jusqu'au bout, elle. Bref, ça coûtait dans les 3 ou 4 euros. Pas plus de 5 euros, je ne sais plus le prix. Donc, du coup, l'anti-fourmi. Donc, en fait, ça se présente comme ceci. Ça, c'est pareil, ça devait coûter 2 ou 3 euros. Ça se présente comme ceci. Vous avez des trous, là, à faire. Donne-moi mon cutter, là-bas. À côté du bureau. Alors, il était accroché à la porte, il est tombé. Regarde un peu. S'il te plaît. Ah. Je savais qu'il était pas là. Ne t'amuse pas à mettre tes doigts dedans, ça coupe. Non, mais bon. Je vous connais pas, vous n'êtes pas mes enfants. Hein? Alors, il y a deux entrées. Donc, on ouvre les deux entrées. Je prends l'assiette. Là, je vois quoi? En même temps, vous avez tout laissé traîner hier après manger. Ah bah voilà. Je vois une partie comme ça de l'assiette. Donc vous voyez, il y a un truc dedans. Et en fait, les fourmis vont venir en marchant dessus. Il faut le mettre... Bah tiens, Attendez, hop, voilà, je vous montre bien. Il y en a deux comme ça, vous voyez, on passe à travers. Tu le mets au niveau... Tu vois là où il y a... Là où on avait vu le trou par lequel il sortait, là. Le tout petit mini interstice. Tu le mets juste sur le meuble, là. Voilà, c'est tout. Elles vont passer dedans à un moment ou à un autre et elles iront tuer la colonie. Donc, ça passe par le trou et en fait, elles amènent... Alors, c'est écrit. Éradiquer les populations et nids de fourmis, noires de jardin, larves, ruses, reines, dans l'intérieur et l'extérieur, sur les balcons, les terrasses, pour le grand public, non professionnel. Ok. Toujours lire l'étiquette. C'est pas écrit. Il n'y a rien d'écrit plus. Et dedans, vous en avez deux. Il y a une notice dedans, on dirait. Ouvrir la boîte d'appât en enfonçant les deux endroits marqués sur les côtés. Ouais, pour les enfoncer, ma cache. Hein. Avec un objet dur. Ouais, ok, d'accord. Une pièce de monnaie, qui disent. Ouais. Ne pas forcer l'ouverture de la boîte. Placer la boîte d'appât ouverte sur le chemin des passages de fourmis. Et à proximité du nid. Ou à proximité du nid, si l'emplacement est connu. Protéger la boîte d'appât de la pluie et de l'humidité. Une ou deux boîtes d'appât sont à appliquer par infestation selon le niveau de l'infestation. Ne pas utiliser plus de deux boîtes d'appât par infestation en même temps. Si nécessaire, répéter application toutes les 3 semaines.
sans dépasser les 11 par an. Voilà. Bon, j'ose espérer que une seule boîte suffira. Parce que moi, je ne sais pas où est le nid, mais je sais par où elle passe. Donc voilà. Pour venir bouffer mes légumes. Ça aussi, promo de la semaine. Du coup, c'était à 99 centimes. C'est un turban pour les cheveux. Très pratique, surtout pour la tignasse de Tiffany. J'ai repris également des dentifrices. Alors, si vous suivez mes vlogs, vous savez que les enfants m'ont vidé mes gels douche. Du coup, vous allez voir que ça va être... Voilà. Et les dentifrices, c'est pareil. Ils prennent, mais ils font n'importe quoi. Donc, du coup, Dragan a encore le sien. Tiffania veut celui au charbon. Non, Morgane veut celui au charbon. J'en ai un à la fraise dans le garage. Donc, Morgane prend celui au charbon. Il a coûté un peu plus d'un euro. Un euro et des cacahuètes. Je crois que je l'ai là. Je crois que c'est sur ce ticket-là. Ou pas. Non, non. Bah écoutez, c'est pas là-dessus. Mais je crois que c'est un peu plus d'un euro. Donc, non. Pour celui-ci. Celui-ci aussi, je crois qu'il y a 1,59€ celui-ci. Mais ben voilà. Bon, il est pas mal. Il est pas non plus extraordinaire. Mais bon, c'est le côté ludique du noir. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai pris le Max White Stain Guard. Plus Instant White. Voilà. C'est celui-ci. Et celui-là, il est à 1,59€. C'est pour Seb et moi. Voilà, voilà. Ensuite, toujours dans cet objectif qu'ils prennent soin de leurs affaires, qu'ils arrêtent de me vider mes affaires, je leur ai pris un gros truc de shampoing. Je leur ai dit, ça doit refaire au minimum 2 mois. Sachant que normalement, on lave nos cheveux 1 à 2 fois par semaine. On en a largement assez. D'un pour 2 mois. Alors, on verra. Ça, c'était 1,99€. Et du coup, j'ai pris également le l'assouplissant. L'après-shampoing, qui lui aussi peut faire 2 mois. Peut-être un peu moins, parce qu'on utilise toujours un tout petit peu plus d'après-shampoing que de shampoing. Mais normalement, il n'y a pas besoin d'énormes. Et de toute façon, elles en ont un chacun pour, deux mois. Vous en avez largement assez pour 2 mois. Un shampoing de même pas la moitié, parce que ça, c'est des 1 litre. Alors, les shampoings normaux sont à... Les gros shampoings, ça fait 750 millilitres. Et je mets 1,5 mois pour en utiliser un. Un shampoing normal, je mets 1 mois. Je peux même aller un peu plus parfois. Donc, il ne faut pas exagérer. Ça, c'est largement suffisant pour 2 mois. Tu n'as pas une énorme chevelure hein, non plus. Et on lave ses cheveux, on organe. Oui, bah oui, montre-toi. Non, mais montre-toi. Bah si, il y voit dans le miroir. Elle est biétaine. Bref. Non, je ne regarde pas maintenant. Je regarderai tel. Non, tu flouteras le truc. C'est oui, le... oui, oui. Et donc, du coup, 2 mois. Ouais. 1,99€ chacun. Et ils sentent bon en plus. Je les ai sentis. Ils sentent bon. Franchement, ils sentent vraiment bon. Oh. Ça coule. Voilà. C'est le Caring Shampoo Kératine. C'est du shampoing à la kératine en kératine anti-frise aussi. C'est la même odeur. Donc 1,99€ chacun. En fait, du coup, j'hésite soit celui-là pour Tiffania parce qu'il y a le pouce-pouce, ou alors celui-là. Lui, il était un tout petit peu plus cher. Il était à 2,99€. C'est pareil, on a 1 litre. Et celui-ci, c'est à la coco. Donc c'est pareil, j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing. Ils vont se faire engueuler, je le sens. Ça ici, c'est juste un hyper hydratant. Voilà, un hydratant pour les cheveux qui sentait bon. Il me tente bien aussi celui-là. Mais voilà, je ne sais pas s'ils font vraiment d'effet. Je le verrai assez facilement parce que c'est moi qui coiffe les cheveux de Tiffany généralement. Shampoing après shampoing, 2,99€ chacun. C'est un peu plus cher que les autres, mais au moins ça les différencie parce que sinon elles vont se disputer pour savoir qui est à quoi et quoi est à qui. T'as même pas senti celui-là. J'aime pas la coco, mais j'ai senti tout le temps la coco. Voilà. Ensuite, j'en ai 2 dans mon sac.
Et ça, j'ai pris pour les moustiques, c'est des bracelets. On peut les mettre en bracelet. Enfin, moi, je le mettrais à ma cheville. C'est pour les moustiques, pour les sticks. Moi, j'appelle ça des sticks. C'est pour les moustiques, j'ai payé ça, 84 centimes. Et moi, j'ai déjà les pastilles pour mettre sur le vêtement. Et ça va super bien, je trouve. Donc, voilà, il y en a 4. Des couleurs différentes, il y a jaune, bleu et rose. Du coup, j'en ai 2 roses, un jaune et un bleu. Voilà. Ensuite, un incontournable, des poches poubelles, comme on dit par ici. Des sacs poubelles. Ici, c'est au citron. Vous avez également, je viens de me faire piquer par un stick, justement. Moi, je prends au citron. Vous avez à la lavande. Il coûte 1,49€ le paquet. C'est des 30 litres en 55 par 60. Et dedans, vous en avez, je ne sais plus, 15. Voilà, vous en avez 15 dedans. Ensuite, j'ai pris ça pour moi, voilà, 99 centimes. Celui-ci est bon à la mangue. J'aime pas les roses, là. Celui-là, j'aime pas. J'ai pris également ceci. C'est un déodorant anti-tache blanche de chez Sanex. Lui, il a coûté 1 euro. Morgane, tu me casses les pieds. Non, il veut pas rentrer, il rentre pas. Il attendra. Ça, c'était 1,89€. J'aime bien celui-là. En plus de ça, il n'y a pas de bouchon, donc je risque pas de le perdre. Je croyais que vous aviez vu mes boobies. Et, crac, là, il est fermé. Et on peut pas napouillette. Et celui-là, il est bien, il sent bon. En plus. Mon petit péché mignon de pose. Ouais, les biscuits. Les biscuits, comment ils s'appellent, ceux-là? Comment il s'appelle cela? Mango. Ouais, juste Nutella biscuit. Il y en a 12 dedans et ça, c'était 1,84€. Petit péché mignon. J'ai le droit de me faire plaisir de temps en temps. Hein. Et ensuite, 3 dernières choses. Ah non, il y en a encore un là. Ah oui, ça, c'est mon duplicateur. Ouais. Pour moi, dans le magasin, c'est mieux. Pour montrer que je ne vole pas. J'ai pris du coup un câble comme ça parce que le mien est en train de rendre l'âme. Et celui-ci, bon, je l'ai pris en 3 mètres, j'aurais pu le prendre en moins grand. Hein. Mais au moins 3 mètres, c'est bien parce que comme ça, je peux le brancher par exemple là-bas, à ma prise là-bas et je peux le prendre sur le PC. Comme ça, au moins, c'est bien pratique. Donc ça, c'était 2,79€. C'est 2 USB-C. Hein. Vous avez différents, hein. Vous avez un USB plus USB-C, donc un côté USB. Vous avez 2 USB-C et vous avez aussi des adaptateurs. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses maintenant. Donc en 3 mètres, donc ça c'est très bien. J'ai pris également des savonnettes. Ah merde, j'ai pas fait attention. Ils disent savon main. Est-ce que c'est que pour les mains? Oh merde, j'ai pas fait attention à ça. Pain de savon, nettoie rafraîchi, 88%, attention, tenir. Ouais, non. Non, c'est bon. J'ai pris une savonnette à l'aloe vera à 49 centimes. J'en ai pris une à l'amande et j'en ai pris un autre. Celui-ci était un peu plus cher, 79 centimes. C'est au camélia japonais et à l'huile de citrus. Voilà. On sent le frais du citron là-dedans. Donc, voilà. J'ai pris ça pour eux. Comme ça, au moins, ils n'utilisent plus mes jets de douche n'importe comment. Quoi. Hein. Donc, voilà. Et ça, ben, après, ils choisiront qui prend quoi, quoi prend qui, hein, n'est-ce pas? Et ensuite, en dernier, et ça devait être 1,99€ si j'ai des bons souvenirs, ceci. Pencil and brush watercolor. En fait, c'est des crayons aquarellables. Explication to you. Je ne les ai pas vu beaucoup passer. Et ça m'a intriguée. Pourtant, je suis quand même pas mal de filles qui font du coloriage, l'activité créative. Tu n'es pas lavé, tu peux remonter, aller te laver, t'habiller. Et j'espère que votre bordel est rangé. Je m'en fiche, ça t'empêche pas d'aller te laver, t'habiller. Je m'en fiche. Non, je veux pas savoir. Je veux pas savoir, je viens de dire. Quand je dis je veux pas savoir, c'est que je veux pas savoir. Donc ça se présente comme ça dans une boîte métallique dorée.
Et en fait, dedans, vous avez des crayons et un pinceau. Va me chercher un petit verre d'eau, s'il te plaît, en plastique. Alors, le pinceau, bah, il est pré-collé, là. Il va falloir que je le trempe dans l'eau pour enlever tout ça. Je vais essayer de prendre une feuille en viteuf. Voilà, il fait des impôts. Oh, mes impôts, je vous les passe après. On a toutes ces couleurs-là. Ils ne vont pas vouloir tenir. Voilà. Qui sont dans la boîte. Et je trouve que ça peut être pratique. On va prendre deux couleurs. Rose et... non. Et vert comme ça. C'est de là. Au lieu de me dire maman. Alors, j'humidifie bien le pinceau. Là, il est bien humidifié. Vous voyez, il est bien mouillé. Alors, je prends le vert. Je vais venir faire... ça. Et le rose de l'autre côté... On va prendre le pinceau, je vais l'essorer quand même un petit peu et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de le faire comme ça avec vous. Oh, c'est trop bien. Regardez. C'est trop bien. Et en fait, plus vous allez mettre de l'eau, plus ça va se diluer. Maintenant, bon après, c'est pas du papier adapté. Maintenant, il faut voir si... comment dire, parce que vous voyez, on garde quand même la trace du crayon, quoi. Et le vert. Wow. Après, je pense que c'est une méthode à approfondir et à tester sur d'autres papiers. Et oui, c'est vraiment pour flouter et pas trop se disperser parce qu'en fait, quand on se disperse, vous voyez, on voit bien là où je suis passée avec mon crayon. Je pense que c'est vraiment fait pour flouter. On va faire avec le orange. Juste flouter en fait. Pour faire, vous voyez, au lieu de faire quelque chose comme ça, pour venir comme ça, je pense que c'est un truc qu'il faut savoir comment, il faut savoir le travailler. Mais ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Après, vous en servez comme pinceau de base. Oh, vous voyez, vous prélevez et vous faites un peu plus loin et vous avez un petit peu de couleur, vous voyez. Ça va différencier. Vous, hop, on retrempe. On va aller peut-être prélever encore un peu de vert si on a encore assez dessus. On va voir. Non, il n'y en avait plus déjà assez. Donc, vous voyez, c'est un truc à dompter. Mais c'est pas mal. C'est pas mal parce que quand vous partez quelque part, que vous ne voulez pas prendre 50 millions de trucs, vous avez le pinceau, vous avez les crayons. Si vous savez comment les utiliser, et bien, du coup, c'est appréciable, quoi. Vous avez la petite boîte, ça ne prend pas de place. Voilà. Donc, je testerai sur des coloriages parce que bientôt, je vais faire des coloriages sur l'autre chaîne. N'hésitez pas à me suivre. Tout est dans la barre d'infos. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce haul action. Pas beaucoup de choses pour moi, beaucoup de choses pour eux, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Si vous le désirez, c'est avec plaisir que je vous accueille ici, que l'on vous accueille ici, parce que moi, vous voyez, c'est des vidéos très familiales. Il y a toujours les enfants dans le coin. C'est rare qu'ils ne soient pas là. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire si vous ne savez pas quoi mettre. C'est le petit arc-en-ciel, l'émoji de la chaîne, auquel je réponds par des soleils et des petits bisous. Je ne réponds pas toujours aux questions tout de suite. Et si elles sont... enfin, je réponds toujours aux questions, pardon. Je réponds toujours aux questions. Après, les autres commentaires, ben voilà, je réponds quand j'ai le temps. Et si je n'ai pas le temps, ben je vous mets juste un petit cœur. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vous ai pas lu. Je vous lis à chaque fois, à chaque commentaire, je vous lis et je prends vraiment plaisir, je le dis à chaque fois dans mes vlogs et il faudrait peut-être que je vous réponde par vidéo à vos commentaires, mais bon voilà, et puis c'est tout. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo, et puis nous on se retrouve dans la prochaine. Bye.